Coucou mes amours, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, de nouveau moi Rose Mooney. Comme vous avez pu voir dans le titre, vous savez exactement de quoi est-ce que nous allons parler. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, si jamais vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas. Abonnez-vous, likez, commentez, mais surtout suivez-moi sur les réseaux sociaux. Et bien sûr, si jamais à la fin de cette vidéo vous trouvez ces informations utiles, n'hésitez pas, partagez-les. De nos jours, beaucoup de personnes sont en situation de surpoids et c'est vrai que ça pose un gros problème. Mais tellement nous sommes focalisés dessus qu'on oublie en parallèle ceux qui sont en problème de sous-poids, ce qui est en soi un gros problème aussi. Certaines personnes brûlent les calories consommées plus rapidement que d'autres. On parle ici d'individus au métabolisme rapide. Chez ces personnes, il est difficile d'atteindre et de maintenir un poids stable. L'amaigrissement, oui, ce qui désigne une perte de poids importante pouvant conduire à la maigreur. La maigreur peut être volontaire ou même involontaire. On parle ici de maigreur lorsque votre IMC, hein, l'indice de masse corporelle, est inférieur à 18. Le régime hypercalorique permet donc de prendre du poids pour retrouver un poids et une santé saine. Il a pour objectif de stimuler votre appétit, d'intégrer des aliments riches en calories dans votre régime alimentaire, mais surtout d'éviter des aliments à densité énergétique faible. Ça veut dire par exemple des aliments qui ne vous serviront en rien, comme des légumes, des machins, qui n'ont pas vraiment de calories, d'apport calorique, quoi. La vitesse de votre métabolisme peut être liée à votre patrimoine génétique. Ça veut dire que vous pouvez l'avoir hérité de vos aïeux, de votre père. Voilà, c'est de génération en génération. Hein. Et sachez, mes amours, qu'il y a beaucoup de circonstances dans la vie qui peuvent faire que vous perdiez rapidement énormément de poids. Par exemple, une situation choquante. Vous apprenez une mauvaise nouvelle, vous êtes dégoûté, vous arrêtez de vous alimenter. Vous tombez gravement malade, vous arrêtez de vous alimenter. Ou alors des problèmes de chagrin, machin, tout ça, vous arrêtez de vous alimenter. Et des maladies, le cancer, l'hyperthyroïdie, les brûlures graves. Donc vous voyez, il y a beaucoup de choses qui peuvent faire que tout d'un coup, vous perdiez énormément de poids. Enfin, sachez aussi qu'il y a des pertes de poids involontaires dues à la malabsorption des nutriments. Ça peut être provoqué par certaines pathologies, hein, comme les ulcères, les colites, la maladie de Crohn, par exemple, ou même certaines maladies cardiaques. Bien sûr, comme vous avez pu le douter, hein, tout ce que je vais vous proposer ici va être naturel parce que parfois, les médicaments prescrits par les médecins et tout ça peuvent avoir de sérieux effets secondaires. Donc, tout ce que je vous propose sur ma chaîne est 100% naturel, 100% sain. Bien sûr, avant de vous donner une recette qui va définitivement vous aider, je voudrais vous donner surtout quelques conseils. Ne prenez pas de compléments alimentaires, ça ne vous aidera pas, mes amours. Ne consommez pas des produits light ou zéro, sans sucre, bref, tous ces trucs pauvres en calories. Ce n'est pas pour vous. Programmez vos repas, mais ne pas dépasser 3 heures entre chaque repas. Vous devez impérativement faire des collations dans l'après-midi. Un petit peu comme les petits-enfants, c'est vrai, mais n'oubliez pas, prenez votre goûter, vos petites collations, n'hésitez pas. Et vous devez toujours avoir en votre compagnie des fruits secs, de l'huile d'olive. Cela pour ajouter à vos repas, à vos petites collations. Si vous faites par exemple du sport, des trucs comme ça, sachez qu'une activité physique très intense aussi peut être l'une des causes pour lesquelles vous avez du mal à prendre du poids. Maintenant, ce que vous devez impérativement, voici une boisson que je vais vous montrer. En plus de votre alimentation, vous devriez consommer ça 2 fois par jour, le matin et le soir. Donc après avoir dîné, prenez cette boisson le soir avant d'aller vous coucher. Vous allez voir que ça va tout simplement être exceptionnel pour vous parce que ça va vous faire reprendre non seulement du poids, mais ça va stabiliser votre poids et ça va, vous allez sentir que vous gagnez en force, en énergie, en assurance. Tout simplement parce que ce que je vais vous montrer ici va stimuler l'appétit chez vous, va augmenter chez vous l'apport en calories sans augmenter votre volume physique. Donc c'est très important, vous n'aurez pas de la graisse qui va déborder d'un petit peu partout. Vous allez me demander pourquoi est-ce que je vous conseille ce régime. Sachez que le régime hypercalorique est un régime riche en calories qui doit fournir en moyenne 500 calories ou plus par repas. Ce régime hypercalorique va vous permettre de stimuler votre appétit, de consommer des aliments à densité énergétique élevée, de limiter les aliments faibles. Donc, mes amours, pour ce repas, hein, riche en calories, vous aurez besoin de 3 dattes séchées et une grosse poignée de noix. 50 g de cardamone, 3 bananes, 2 raisins secs. Vous passez le tout au mixeur et vous devez boire
un verre le matin au réveil et un verre le soir au coucher. Sûr, Parallèlement à cela, vous devez respecter votre régime alimentaire normal. Ça veut dire que le matin, vous prenez un bon petit déjeuner copieux. Par exemple, 50 grammes de fromage, 4 biscottes, une poignée d'amandes. Donc, je ne vais pas vous dire ce que vous allez manger le matin, mais sachez que vous devez rester sur une alimentation hyper calorique. 3 fois par jour. Et en buvant cette boisson, pourquoi je vous demande de boire cette boisson tôt le matin et tard le soir avant de vous coucher? Parce que tout ce qui est contenu à l'intérieur, que ce soit la cardamome, que ce soit la banane, que ce soit les dattes, que ce soit le lait entier, est complètement fait pour vous ouvrir l'estomac, pour vous donner l'appétit, permettre de digérer facilement. Ça va se comporter comme un laxatif, mais surtout, c'est hyper calorique. Là, en buvant un verre le matin, vous êtes à peu près à 800 kilocalories, un verre le soir. Donc, ça fait 1600 kilocalories rien qu'en buvant 2 verres de cela, ce qui est tout simplement exceptionnel. En plus de votre alimentation quotidienne, vous serez à peu près dans les 4500 kilocalories. Faites cela 2 fois par jour jusqu'à ce que vous ayez une IMC entre 18 et 24, ce qui correspond à un poids normal. Une fois que vous avez atteint cette IMC, vous pouvez continuer de prendre cette boisson 1 à 2 fois par semaine, pas plus, pour ne pas dépasser cette IMC. Et cela vous permettra simplement de stabiliser votre... Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Bisous, bisous.